lisant la Gazette. On est ensemble jusqu'à 19h. Alors, je vous avais annoncé ce moment tant attendu, le rendez-vous de l'invité. On va parler d'aïkido avec Alain Greff Colson, qui est un des pratiquants de l'aïkido de Colmar et du club des Diables Rouges. Bonsoir Alain. Bonsoir Florent. Merci beaucoup d'être avec nous sur la RDL en direct ce soir pour nous parler d'aïkido. Merci déjà pour l'invitation, c'était très sympa. Avec grand plaisir. Du coup, l'aïkido, c'est une association qui est basée sur Colmar. Alors, l'aïkido Colmar Diable Rouge, en fait, est à l'intérieur même du régiment. On est dans la salle des sports, tout de suite à l'entrée. D'où le nom des Diables Rouges. Alors, c'est devenu quasiment une marque, hein, une icône, parce qu'on utilise un petit diablotin. Bon, à la radio, on ne le voit pas, mais... Voilà, donc c'est assez facile à trouver pour les gens qui cherchent, puisqu'en fait on a beaucoup de gens qui viennent nous voir, soit de façon découverte, ou soit qui viennent effectivement pratiquer. Voilà, on a eu dernièrement, depuis le mois de fin janvier, en fait, on a eu 4 nouveaux pratiquants adultes, par exemple. Et justement, pour pratiquer l'aïkido, est-ce qu'il y a un âge minimum, maximum? Est-ce qu'il y a des conditions de santé spécifiques ou... Alors non, pas particulièrement en fait. Bon, en partie au moment où on se sent bien, en fait, la pratique martiale de l'aïkido va nous permettre d'évoluer en fonction de son attitude corporelle en fait. Hein. Donc c'est vraiment personnel à ce niveau-là. Alors moi je ne connaissais pas forcément cette discipline et j'ai l'impression qu'on est vraiment sur le respect mutuel. On est vraiment sur le respect de la personne et pas forcément sur du combat. Au sens dur du terme, quoi. Oui, tout à fait. En fait, l'aïkido a une particularité, en fait. C'est un outil de communication, en fait, hein, grosso modo. Alors, c'est une base de beaucoup d'arts martiaux. On peut y trouver tout ce qu'on veut dedans, sous des formes compétitives, hein, le sport, que ce soit le karaté, soit le judo ou d'autres choses. Et en fait, on est tous bâtis pareil. Hein. On a deux bras, deux jambes, un tronc, une tête, bien faites la plupart du temps, hein, pour les gens que je connais. Et ça nous permet en fait véritablement d'échanger. Effectivement, on sait à peu près quelles sont nos limites. Alors, il y a plusieurs façons de pratiquer l'aïkido, hein, clairement. On a un aïkido qui est un peu plus philosophique, on a un aïkido qui est un peu plus dynamique, un peu plus pointu, avec une recherche un peu plus développée, réellement en fait proche, on va dire, de l'attitude de défense. Voilà. Et pour ce qui est de ton cas, du coup, comment t'es venu à pratiquer l'aïkido? Oh, c'est une grande histoire, en fait. Mais je vais faire très court. En fait, comment ça s'est passé, tout simplement, ma rencontre avec l'aïkido? Alors, j'avais déjà fait du karaté, hein, du judo, d'autres sports de combat, en fait, on va dire. J'ai toujours refusé, en fait, d'aller en compétition. En fait, j'avais pas envie de m'abîmer, j'avais pas envie de ça. Ce qui m'a valu d'être exclu à plusieurs reprises d'autres clubs, en fait, hein, d'autres dojos. Et en fait, à l'époque, je créais une entreprise avec un de mes associés qui est décédé maintenant, Rémi Weibel. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, si je rentrais, et le mari de la nounou me dit « T'es stressé, il faut que tu fasses quelque chose pour toi, viens pratiquer l'aïkido. » Alors, l'aïkido, je me suis dit « Tiens, c'est un truc que ça me parle un peu, puisque j'ai fait un peu d'arts martiaux. » Et puis finalement, il m'a emmené dans le dojo. Et là, j'ai vu le président à l'époque du club, c'était à Kunheim, en fait. Quelqu'un qui approchait la retraite, la soixantaine, et je le voyais faire des sauts comme un gosse, quoi. Moi, je sortais... Ouais, tout à fait. Je sortais d'un lumbago, en plus. Alors, le trauma était là. Là, je me suis dit, je vais être comme ça à 60 berges, quoi. Et donc, en fait, j'ai véritablement imprimé l'aïkido, puis ça m'a permis de faire, moi, des recherches, et de retrouver un peu l'essence du karaté, qui est hors compétition, kata, bunkai, etc. Donc, j'ai retrouvé un peu quelques formes. Et comme c'était pluridisciplinaire, on travaillait le sabre comme au kendo, au kenjutsu, le bâton sous d'autres formes, le couteau comme on peut voir dans d'autres, on va dire, sports de combat ou comme on pourrait l'utiliser au karaté ou alors aussi bien au Krav Maga par exemple, hein, qui est une méthode israélienne connue. Voilà, donc je me suis dit, tiens, j'ai retrouvé quand même pas mal de choses au fil du temps. En fait, on grandit, on apprend et on redéveloppe. Puis un jour, j'ai eu envie en fait, de transmettre ce que j'avais... ce que je savais, en fait, le peu que je savais, parce que on va chercher très loin. Et là, je me suis dit, bon, ben, je suis peut-être prêt pour enseigner. Puis j'ai lancé le pari. Puis je me trouve bien en enseignant, en fait. Et voilà. Justement, est-ce qu'il y a des entraînements, il y a des matchs, il y a des compétitions? Comment ça se passe exactement si on a envie de venir
pour venir tester. Alors, je rappelle qu'on est dans un régiment, c'est un point important. On est dans une caserne militaire. Donc, pour ça, il faut me contacter ou contacter Sandrine, en fait, qui m'accompagne, qui s'occupe un peu, en fait, de... Enfin, beaucoup, d'ailleurs, tant pour moi, je rends hommage. Elle est présente à mes côtés. Et elle fait énormément pour moi, parce qu'elle me décharge de beaucoup de choses administratives. Elle est peut-être un peu plus pointue pour moi que moi, que pour ça, d'ailleurs. Et donc, elle met les choses au clair assez rapidement. Il faut nous contacter, nous laisser les coordonnées, parce que l'armée a besoin de savoir qui rentre dans la caserne. Donc, on arrive avec son... On est identifié, on arrive avec sa carte d'identité, on nous donne un laissez-passer, vous rentrez, vous venez essayer. On c'est... pas comme ça non plus. Bon, non, oui, voilà. Donc, en fait, nos horaires d'ouverture sont le mardi et le vendredi. Donc, c'est de 20h à 22h. Et le vendredi, en fait, la première partie de la saison, c'est-à-dire le premier trimestre, c'est un cours initiation spécial, débutant initiation. Puis après, au fil du temps, en fait, à partir de janvier, on fait ce qu'on appelle un cours spécifique étude de l'arme. Ça peut être le Jo, c'est un bâton long, ça peut être le Boken, c'est un sabre en bois. Hein, c'est une imitation, ça a la forme. Ça fait mal si on le prend sur la tête ou sur les doigts. Pour les gens qui penseraient que... Pour les gens qui pensent que c'est qu'un bout de bois, à manipuler avec précaution. Et le couteau qui est sous une forme en fait plastique ou en bois. En fait, hein. Traditionnellement, c'est en bois. Et donc, on pratique ces armes-là. Puis après, le 20h-22h, toujours le vendredi, en fait, on a un cours pratique en fait qui est dans la continuité de ce qu'on a vu le mardi, voire le cours armes ou cours débutant avant. Je rappelle que si la page Facebook hein, qui est disponible, si je dis pas de bêtises. Ah oui, c'est ça. Donc, retrouver toutes les informations utiles à... Alors, il y a la page Facebook, mais il y a aussi un blog. Donc, c'est aikido-colmar.net. On trouve toutes les informations dessus. Et là, actuellement, combien de licenciés vous avez sur... si on peut appeler des... Oui, c'est ça. C'est des... C'est ça, c'est des licenciés en fait. Donc on a 27 licenciés, enfants compris, et en fait on est plus nombreux en adultes qu'en enfants, hein, particularité, parce qu'il y a des gens qui ne trouvent pas trop lourd l'entrée de la caserne, ça arrive, ça fait un peu peur. Bon, c'est vrai que vous êtes accueillis, il y a quand même deux soldats en armes, bon, ça peut être impressionnant pour les mamans, mais bon, qu'elles ne s'inquiètent de rien, ils nous protègent en plus, donc c'est le côté sympa. En tout cas, avis aux amateurs qui ont envie de se lancer, de venir tester l'aïkido sur Colmar. Oui, bien sûr, on les accueillera avec beaucoup de plaisir. Je tiens à préciser quand même qu'on a mis en place une petite tradition, en fait, depuis quelques temps, depuis 3 ans. En fait, on est comme les rugbyman, on a une troisième mi-temps, exclusivement les vendredis. Okay. Elle se passe en tout bien, tout honneur. Peut-être que ça peut inciter d'autres personnes à venir. Ben, en fait, moi je pars toujours du principe que les gens avec qui je discute, je les invite toujours à venir. Donc Florent, je t'invite à venir essayer. Ben, écoute, volontiers, vendredi. Ben, c'est parfait. Je préviens la garde, j'ai ton nom, ton prénom, et pas de problème. Je les préviens, je leur dis voilà. Je suis quelqu'un qui vient essayer, t'auras laissé passer, n'oublie pas ta pièce d'identité. Bien sûr, ben, écoute. On mettra des images sur la page Facebook d'RDL pour montrer en live une séance d'aïkido si tu veux. Ah ben, y a pas de souci. En live, je sais pas si on aura le temps parce que souvent on est occupé, donc voilà, on travaille, mais... Une petite vidéo pour illustrer un petit peu l'aïkido sur Colmar et vous montrer vraiment comment ça se passe. Oui, en fait, du coup, on aura un petit échantillon et puis après, les gens peuvent effectivement... s'apercevoir. Il y a aussi un profil Facebook hein, qui est animé en fait et qui s'appelle le Diablotin Facétieux. Alors les gens parfois des fois ils s'inquiètent, ils disent mais c'est quoi ce truc là. En fait c'est la page un peu anonyme mais si on veut. Mais c'est le personnage en fait qui fait beaucoup de facéties parce que c'est un personnage important mais je vais expliquer ça plus longuement voire une autre fois à moins qu'on ait le temps maintenant, je ne sais pas. On est à la radio, c'est une radio libre, on est libre. Ah super, bon on va déborder. Bon, alors il est minuit ce soir, non je plaisante. Livrez-nous des pizzas. Alors en fait, le Diablotin Facétieux, c'est un des personnages comics en fait, parce qu'on voulait une icône en fait, on voulait un peu se démarquer. Mais en même temps, la tradition en fait, dans les sections sportives ou les sections de combat en fait, dans l'armée, notamment au 15-2, elles sont toutes représentées par un diable.
ou un personnage ou quelque chose qui représente en fait le diable rouge, en fait, c'est une icône. Et donc on s'est dit, on n'a pas envie de prendre un truc un peu méchant, on a envie de prendre un truc sympa, et en fait, un peu par hasard, on a trouvé ce petit personnage comics qui s'appelle le Hot Stuff, en fait, aux US, donc c'est quelque chose qui est tombé libre de droit, en fait. Et donc, on a repris ce petit personnage, ce diablotin facétieux, en fait, dans la BD comics, c'était identifié, en fait, c'est un petit diable, c'est un des 700 petits diables qui accompagne Satan. Il avait l'habitude de faire systématiquement des bourdes, et Satan, en fait, le vire, en fait, sur Terre, en lui disant, si tu dois faire des bêtises, tu les fais sur Terre, mais pas ici, en fait. C'est une avait un peu marre. Et donc, du coup, en fait, ce personnage est né dans les années 50, et comme c'était libre de droit, je l'ai un peu repris, puis on l'a modifié, en fait, au niveau graphique. Donc, il a représenté avec un, non pas avec une fourche ou quelque chose, mais il a représenté avec un bâton, celui-là qu'on utilise en aikido, avec un hakama, c'est le hakama, c'est le pantalon du samouraï, en fait, hein, que l'on voit. Donc, il est noir, avec un personnage rouge, parce que c'est un diable rouge, donc on l'a, voilà, on l'a vraiment iconographié comme tel. Et donc, en fait, il a son petit succès au fil du temps, parce que ça reflète un peu l'état d'esprit, en fait, des gens sur place. De temps en temps, ils arrivent de faire quelques blagues, quelques facéties sur le tatami. On rigole assez bien avec ça. Et puis, on continue un peu sur notre lancée, ce qui fait un peu notre succès, en fait, sur la région colmarienne, sur le bassin colmarien, en fait, et un peu plus large, où les gens viennent nous voir, et quand ils nous disent « Ah ben, je voulais faire l'aïkido, je voulais essayer. » C'est marrant, parce que j'ai vu votre truc, j'ai regardé les vidéos, j'ai vu ce que vous faites. Ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais bien venir, en fait. Voilà, bah, je dis, bah, on a essayé, voilà. Puis après, le cheminement, bah, tu connais maintenant. En tout cas, on espère que bah, grâce à ce petit entretien de quelques minutes sur RDL, bah, vous aurez l'occasion d'accueillir de nouvelles têtes sur l'aïkido Colmar, sur les diables rouges. Et on vous souhaite une belle aventure, une belle continuation. Et en tout cas, je viendrai tester avec grand plaisir un vendredi. Voilà. Ben écoute, je pense que les pratiquants vont apprécier ta venue, et on s'est fêté dignement en fait nos visiteurs en général, donc ils ont droit à quelques surprises et quelques facéties. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, merci encore pour ta venue, et puis à très bientôt. Merci de ton accueil.